Bonjour Jean-Marie Perrier. Bonjour chère Léa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le photographe, l'ami de toujours de Johnny Hallyday. Vous avez été pendant longtemps, on va le voir, vous allez nous expliquer, dans son premier cercle. Oui. Euh, pour parler de Johnny, vous nous avez apporté des photos qui n'ont jamais été publiées. C'est possible, ça existe, des photos de Johnny qu'on ne connaît pas encore Celles que j'ai là, non, j'ai l'impression celle que... Celles-là, depuis les années 60, non. on ne les a jamais ah vues non. nulle part. Non. Alors celles-là, c'est les débuts oui, là, c'est en Camargue, qu'il est en train de tourner ce film oubliable qui s'appelait D'où viens-tu Johnny ?». Il a 4 ans de moins que moi, donc il a 24 peut-être, 24 oui. Sylvie aussi, elle est toute jeune, et vous immortalisez leur amour. Oui, c'est-à-dire que ce qui est fou, c'est que c'est des mômes qui, à eux deux, représentaient... Ce qui se passe dans les années 60, ils veulent, ils, être, ils veulent être américains, ils veulent être avoir la une la vie en scène, en cinémascope, ils ouais, ouais. C'est ça. Sylvie si Vartan, à votre avis, c'est votre, c'est sa plus grande histoire d'amour Oui, pour moi, c'est la. Mais bon, je suis un peu orienté parce que c'est celle que j'ai vue de plus près, c'est celle qui m'a touché évidemment le plus. Maintenant, histoire d'amour, vous comprenez euh, grande histoire d'amour, tout ça faut voir. Il faut. faut c'est une autre conversation. Hein, ça. <laughs> Alors ça, vous voyez, c'est merveilleux parce que ce que j'aime beaucoup, c'est la tendresse du regard, la tendresse du regard qu'il y a de, de, dans. On dirait un enfant là. Hein. Oui, c'est un mot, c'est un mot merveilleux. Parce Et est-ce que... que ce regard-là, il a continué à l'avoir euh, oui, tout ou le toujours, temps oui, plus oui, tard. Oui, toujours, toujours. Mais moi, il m'a aimé toute ma vie ce type-là. Et puis je me suis marié avec lui, je me suis marié beaucoup. Troisième photo. Alors, alors ça, c'est très là, amusant. On toujours... dirait James je... Dean là. Oui, hein. mais justement, je crois que c'est la première euh, séance, je crois qu'on a fait ça. Et alors. Lui comme moi, on était, c'est vrai, obsédé par ce premier film qu'on avait vu à l'est d'Eden. Donc, on s'est marié tout de suite, on a dit, bah tiens, automatiquement, on a fait une séance genre James Dean. Mais en fait, c'était au second degré, hein, il n'était pas dupe. Il était, il était beau, il était sexy, il était... Il était animal. Comment vous le décririez, vous qui les avez tous photographiés Qu'est-ce qu'il avait en plus Alors, très franchement, ce n'est pas, pas une réponse hypocrite, mais Dieu merci, je ne peux pas vous dire pourquoi. Il y a pas de, je ne je sais pas, j'en sais rien. Il, est, il était au-dessus du reste, dès le départ. Dès le départ. c'est pour ça que sur cette fameuse photo, je l'avais mis un peu au-dessus. Mais c'est ce que j'allais vous dire sur la photo de Salut oui, les mais copains. Fait exprès. Ils sont tous là, et vous le mettez, lui, sur une échelle. Ils n'étaient pas jaloux, les autres, que seul Johnny était ils sur les. Je n'étais pas les... au courant. Ai fait, bon, je ne voulais pas les vexer. Il y avait tout le monde, il y avait des gens que je connaissais. Et qui... ouais. Il y avait des gens qui vendaient autant de disques que lui. Hein. Euh, Claude François ou, euh, ou Richard Anthony. bon, Donc j'avais laissé traîner cette échelle. Et puis au dernier moment, je lui ai dit, ben, alors qu'il dépassait tout le monde, je lui ai dit, je ne te vois pas bien, tu peux monter d'un cran parce que je voulais qu'il soit au-dessus. <laughs> et marrant, comme ils étaient ça. tous en train de me regarder, personne n'a vu. Ils l'ont vu après. Bon, ce n'était pas grave. D'ailleurs, tout le monde a compris. Hein. Vraiment. Autre photo. Ah oui, ça c'était. Écoutez, c'est un fan qui m'a envoyé cette photo. Vous vous souvenez où vous étiez là <laughs> Aucune idée. <laughs> Aucune idée. Aucune idée, Vous n'avez pas l'air très frais l'un et l'autre, hein, là Non, mais ça. Oui, on ça... Non, Mais lui, il était capable de ne pas dormir pendant trois jours et trois nuits. Hein. Oui. Ah oui, oui, ça, je l'ai vu. Mais on en a fait des kilomètres comme et ça. Et des ensemble. accidents. Ah oui, ça. Ça, c'est vous voulez dire le truc où on, est... on a failli. On a vraiment failli claquer, d'ailleurs. Alors là, il n'avait pas dormi pendant trois jours et trois nuits. Et il sort de scène à 2 h du matin avec le costard en soie noire, avec les cheveux collés. Et il me dit euh, on va à Tarbes. Tarbes, Saint-Tropez, Saint-Tropez-Tarbes, c'est que des nouilles, hein, pendant 600 bornes. Et à l'époque, il n'y a pas d'autoroute. Et il me dit euh, bon, on y va maintenant. Alors on monte dans une Lamborghini Miura. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce truc-là. C'est une espèce de tombeau sur des roulettes. Hein. <laughs> et vous êtes allongé il y a de l'essence jusque-là. Bon, Oui, parce que l'essence était devant. Et on part, boum, ça va 250 à l'heure. À l'époque, il n'y a pas de ceinture. Y a... bon, alors, hop, il fonce et on passe la nuit comme ça. Et au petit matin, effectivement, il y a une tache d'huile, boum, et on rentre dans un arbre direct à 150 chrono. Il sort. Moi, j'étais à travers le pare-brise, donc il me faut un petit moment. Et je le regarde de dos. Et je le vois de dos s'éloigner. Et il est en train de vivre sa mort. Mais lui, il la vit en cinémascope. Il la vit comme James Dean. Il meurt comme James Dean. Mais il le pense vraiment. Vous avez rien Je pense, si, si, moi je saigne. Mais alors, j ai, j ai, je saigne, j'ai l'arcade, bon, je suis en sang. Bon, alors, je vais vers lui parce que je suis très inquiet. Parce que je me dis, il est carrément en train de mourir. Il a un steak tartare dans le bide, là. Donc, j'avance, et il est allongé par terre, comme ça. Et tout à coup, il ouvre un œil et il me voit. Moi, je suis debout et en sang. Il s'assoit, il fait, j'ai rien. <laughs> enfin bon, bon et le soir il était sur scène. Mais si vous voulez, c'était terrible parce qu'au fond ça, c'était la mort qu'il aurait voulu. Un mot aujourd'hui. On est trois mois après sa mort. Vous le voyez, dans... ça fait la une de tous les journaux. Tout le monde se passionne pour évidemment les déchirures de, de la famille autour ouais. de l'héritage. Qu'est-ce que ça vous inspire D'abord, est-ce que ça... ça vous surprend non, Les histoires d'héritage, ça me surprend pas. C'est partout dans toutes les familles, mais. C'est jamais au grand jour, mais bon, avec lui, toute sa vie a été au grand jour tout le temps. Bon. Donc ce n'est pas vraiment surprenant. Ce, que, ce qui me fait vraiment de la peine pour lui, c'est que ça, ça donne une image de lui qu'il n'avait pas. Ça gâche un peu le, ce, que, ce que les gens pensent de lui. Pourquoi euh, Ce que j'aime pas dans, cette, dans tout ce qui se passe, le jour de l'enterrement, par exemple. Le jour de l'enterrement... Moi, ce qui m'a touché, c'est ses vrais amis, voilà. Ce qu'on appelle des amis, parce que si vous voulez, le mot ami est très galvaudé hein, dans le métier. Hein. Mais dehors, là, les gens qui sont venus avec les motards, ça, c'était ses amis, ça, parce qu'ils n'avaient rien à attendre de lui, hein. Il n'y avait pas d'échange. Il l'aimait, lui pour ce qu'il était. Tout le reste, tout le reste m'exaspère. Pourquoi Parce que d'abord, j'aurais voulu pour lui qu'on fasse un enterrement comme les Noirs dans le sud de la Louisiane, c'est-à-dire qu'on fasse la fête. Un enterrement qui lui ressemble, c'est-à-dire qu'on rigole, qu'on chante, fasse de la musique, qu'on danse, qu'on dise des bêtises et qu'on se bourre la gueule. C'est ça que j'aurais voulu. Ça lui parler. ressemblait pas finalement. Ce mais le... écoutez, il il, c'est très bien la Madeleine, tout ça, les officiels, les présidents de la République, oui, les mais stars, c est, c est, tout ça. C'est pas, c'est pas ça sa vie lui. Là, tout à coup. Il fait un enterrement de Simone Veil, comprenez, ça n'a pas <laughs> de sens. Alors il y a le curé qui parle du ciel, moi j'y crois pas donc ça m'énerve. Ensuite il y a les, les discours très très convenus, ça c'est long. Et puis il y a les tronches d'enterrement, puis tout le monde qui sert. Alors bah, que la, la plupart étrange... ils ne peuvent pas s'encadrer. Bon donc non je veux dire c'est pas possible. Et Vous ça, êtes ça le seul à dire ça On s'est tous prosternés devant cette cérémonie. Euh... Non c'était très bien organisé, c'était parfait. C'était un peu le bal des Oui, c'est comme ou... tout le monde, quoi. C'est comme dès que quelqu'un est très, voilà, très respecté, mais il voulait pas être respecté, lui. Vous êtes sûr de ça Oh bah, c'était pas un mec qui cherchait la, le respect. Il voulait être lui. aimé, pas respecté, c'est ça Il voulait vous en mettre plein la tronche parce que vous êtes spectateur, c'est tout. C'était ça son truc. Bon et là sur l'héritage où on se, on se déchire, est-ce que c'est aussi ça, Johnny Il fallait s'attendre à ça Tout ce que j'ai vu moi, c'est que. Quand on m'explique que Johnny a marqué sur un testament qu'il renie deux de ses gosses, euh, je ne le crois pas. Voilà, je le connais, je ne le crois pas. Donc vous pensez qu'il a été manipulé. Tout ce que je vois, c'est que lui, je ne le vois pas faire à, à deux de ses enfants ce que son père lui avait fait à lui, hein parce que c'est ça qui s'est passé. Le père, il l'a viré comme une merde. Il fait ça avec ses gosses. Ce n'est pas possible. Je ne le crois pas. Alors, il a été malade pendant dix ans, d'une façon très lourde, avec des, des traitements très lourds. Alors, peut-être qu'il n'était pas toujours exactement en face. Peut-être qu'il n'a pas vraiment réalisé. Mais ce n'est pas vrai. Je ne peux pas croire, je ne le crois pas, qu'il a dit Bon, ces deux-là, on les met au placard. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas. Et mon intention n'est pas du tout de, de critiquer Laetitia. Euh, D'abord, je la connais pas, c'est pour ça. Ensuite, c'était, elle a perdu son mari, elle a deux gosses, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, que par contre, je voudrais savoir quel est l'avocat américain qui la conseille, parce que euh, le mec, c'est pas, il n'a pas inventé le soutien gorge. Hein, parce que franchement, c'était tellement simple d'arranger les choses. Au lieu de la mettre dans cette situation-là, qu'elle se retrouve là comme ça, détestée par la France entière. Bon, je sais pas qui c'est, mais c'est pas Mazarin, hein, P.P. La dernière photo, Jean-Marie Perrier. Oui. C'est surtout le sourire. Vous voyez, si... Est-ce que vous avez vu la photo du sourire La première que vous m'avez Vous l'avez, la première On va la remettre. Regardez-moi ce sourire-là. Ce sourire-là, vous voyez, c'est pas le sourire d'un type qui est capable de dire « Ah non, moi, deux de mes gosses, ça m'intéresse pas. » Je vous jure que c'est faux. C'est pas possible. C'est absolument pas possible. Merci, Jean-Marie Perrier. Je vous en prie. Merci beaucoup.